Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous connaissez le Mouguba? Ouais, le Mouguba, on peut dire que je le connais aussi. C'est quoi? Le Mouguba pour moi, c'est quand tu mougues une go, puis tu lui donnes pas son lent, puis tu pends, tu vois, non? C'est un peu ça, quoi. Ça dit, il y a les gens qui sont dans l'allée, quoi, chez les chouins, tu vois, non? Les mousseaux qui c'est là, là. Tu les tas, non? Hein? Et puis tu donnes pas les jets, tu pends, ça on appelle le Mouguba. Mouguba, pour ressentir quelqu'un. Et bien après, tu le laisses. Peut-être que tu sois la personne à cause de son argent. Si son homme finit, tu le laisses. Tout comme ça aussi. Bon, le Mouguba, c'est comme tu abordes une fille au dieu. Tu finis de prendre ce que tu veux. Enfin, tu finis de satisfaire ta libido, quoi. Et puis, tu la gères plus, comme si tu ne l'as jamais connue. Le Mouguba, c'est par exemple un mec qui vient draguer une fille. Il la met dans certains discours. Genre, il la veut, il l'aime, machin. Et puis, bon. Une fois qu'il a fini de faire ce qu'il veut, et puis on va. Il pend quoi en fait. D'accord. Voilà. Donc pend c'est parti. Voilà, pend c'est parti. Fouille. Mougou, et puis il s'en va. Le mot pend, c'est quand tu n'es pas fond d'une fille, que ah, mais tu as envie d'elle. Hein? Tu fais un passage. C'est ce passage-là qu'on appelle mougou pend. Bon, le mougou pend, je pense que c'est quelqu'un vraiment qui. Lorsque tu mets ta confiance en cette personne, après il te déçoit. Donc. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à faire confiance. Donc je me dis que le Mouguba, c'est un concept pour donner une vision aux Ivoiriens que le monde a changé. Mouguba, bon, c'est coucher avec une personne et puis laisser sur cette personne. On dit bon, j'ai rendez-vous à Ngo. Voilà, elle vient, voilà, elle a besoin de mon jeton, elle Mouguba. Voilà, moi aussi je peux t'arnaquer, c'est du Mouguba.